Alors moi, si tu veux, j'ai un diplôme d'agronome. Ça m'intéressait au niveau technique et scientifique, comment ça marchait cette histoire de production agricole, de fertilité, et tout ça. Et ça m'intéressait au niveau social parce que j'avais barboté un peu dans le monde paysan traditionnel de la région ici, entre 0 et 10 ans, là, et que j'en ai gardé, si tu veux, beaucoup de souvenirs et un peu de nostalgie d'un cadre de relations sociales qui n'existe plus, tu vois, qui était celui des sociétés paysannes avant qu'elles soient détruites par la modernisation. Donc ce petit module tourne et il est très stable parce que nos adhérents nous procurent tous les ans 20 000 euros de chiffre d'affaires garantis par le contrat AMAP, 25 paniers de 24 euros par semaine pendant 30 semaines. On fait en plus, mettons, 5 000 euros à peu près de vente hors contrat entre le mois de janvier et le mois de mai aux adhérents qui veulent bien continuer de nous commander nos légumes. Et ça fonctionne très bien. Là, vous avez une vue un petit peu plus structurée du potager. Donc là, ce sont des buts strictement matière végétale, donc du bois, des déchets verts, des déchets de cuisine, des feuilles mortes, du gazon, tout ça empilé et bien arrosé. Les blettes poussent, les solanacées poussent, les courgettes poussent sans problème. Après, ce que disaient Mirandava et Pierre hier, et d'autres, je crois, il y a aussi un modèle de vie à acquérir, c'est pas si facile que ça. Hein. Mais en gros, tu fais baisser toutes les charges. Quoi. Tu vois, t'as plus qu'une bagnole, t'es propriétaire d'une maison. Enfin, tu vois, dans l'idéal, tu auto-construis ta maison sur un terrain agricole. Enfin voilà, et tout de suite, voilà, ça devient un petit peu plus vivable.